Derrière ces gars-là, ils font du bruit, hein. Ça c'est pour deux jours seulement, après ils vont l'oublier, on parle plus de ça, c'est bouclé. On se connaît ici, en train de courir à cause de l'argent. Oui, tu l'as bien dit. Quand je regarde mon parcours intellectuel, depuis Paris, en passant par l'université de la langue parlée de la Papouasie et des îles de Calebasse, je te donne entièrement raison, jeune footballeur. Ah non, Leblanc, arrête de m'appeler jeune footballeur. Et de tout dire, j'aime pas les foutaises de garçons. Ah bon? Tu connais très bien mon nom. C'est Galas le pépin incontournable. L'homme pour qui le travaillement n'a plus de secret. Mais toi, tu as été rapatrié, ça n'a rien à voir. Ah bon? Ben, jeune frère, je te comprends. Tu es habité par un esprit médiatique et facebooker. Ce qui t'entraîne dans les gaspillages de billets de banque. Mais il y a quoi? Pourquoi vous êtes en train de courir comme ça? Oh, ah, ça là, c'est un jeu olympique. Jeu olympique, c'est quoi? Ah, tu connais pas jeu olympique, le vieux? Non. Les jeunes qui sont le compétir au Brésil. Ah, mais il y a où? Le vieux, tu parles de qui même? Il n'était pas dans un Ivoirien qui a compété au Brésil et qui a remporté une médaille en or. Hein? Ah, Taekwondo, hein? Taekwondo, c'est quoi? Ah, le vieux, tu connais pas Taekwondo? Hein? Oh, le vieux, tu as arrêté, regarde. Ça là. Hé, hey, tu vas me taper au vieux? Non, c'est pas pour te taper. C'est pour te montrer ce qu'on appelle Taekwondo. Ah, karaté. Voilà. Hein? Il y a l'argent dedans. Il y a l'argent dedans. Et puis le président de la République a donné 40 millions plus une villa. 40 millions? Oui. Plus un villa. Plus villa. Hein? Bon, le vieux, te laisser, hein? Oh, laisse-moi. Bonne chance, hein? Tiens! Olympique. Eddie, vous là, journaliste, et vous parlez en même temps. Dès qu'il sort là, faites vite, vite. Vous avez compris? Pourquoi tu nous attaques comme ça? Non, je vous dis en même temps. Et puis en plus, qu'elle va sortir, qu'elle va donner le jeton. Si vous avez frère et ça, prochainement là, si vous voyez, c'est pour vous gâter. Vous avez compris? Vous avez bien entendu? Monsieur, s'il vous plaît, nous sommes des journalistes. Hein. Nous sommes là dans le cadre du boulot. D'accord? Écoutez, s'il vous plaît, pas de violence. Monsieur le bras gros ou le gros bras, mm-hmm. Il ne sait quoi. C'est une menace. À notre égard. Hein? Vous osez menacer des honnêtes citoyens en plein exercice de leur boulot. N'est-ce pas? Mais n'oubliez pas, ce que vous venez de faire, c'est de la corruption pure. Eric, si mon frère. Vous ne savez pas. Mon frère, corruption ou pas corruption, c'est pas mon problème. Eh bien, attends, il a déjà dit, hein. Il ne peut plus m'appeler gros bras. Hein. C'est protocole. Tu as compris? Écoute, il veut dire quoi, même? Collègue, ça ne vaut pas la peine de pouvoir parler non. Avec eux. Hein? Il veut dire quoi? Gros bras gros, protocole, c'est la même chose. Hein, de toutes les façons, tu es protocole, tu es gros bas, c'est pas grave. Nous sommes des journalistes, voilà. D'accord? On n'est pas là, on est là pour notre pour travail. Travail bien. Donc, hey, écoutez, là, il fait c'est quoi? Vous dites quoi même? Corruption, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Si tu es trop fâché là, mon frère, va faire karaté, tu vas nous envoyer une médaille comme eux aussi. Il y a quoi? Il y a dit, il y a quoi même? Il y a quoi? Madame, c'est un journaliste. S'il vous plaît, je vous ai déjà dit. Il n'y a pas de grave. Pas ça, hein? S'il vous plaît. Elle m'avait dit, s'il a venu, parlez-lui que j'en viens, tu comprends? Voilà. Mamadi, venez. Vas-y. Mamadi, ça va? Oui, ça va. Mais attends, tu ne comprends pas? Depuis là, je arrive, je vois les gens, je vois même habillement comme toi. Ça là, c'est quel habillement, ça là? Oh, le vieux, ça, c'est kimono. Kimono quoi? Kimono. On kimono. Prend ça pour... Oui, on prend ça pour faire karaté. Ah, on prend ça pour faire karaté? Oui. Ah. Mais Mamadi, karaté là, c'est quoi? Toi, tu ne peux pas karaté. Mais Mamadi, c'est parce que je ne connais pas que je dois débattre. Attends, hein. Bon, attends, je te montrer. Tu vois? Ah, petit, mais tu n'as pas intelligent. Dis parable en même temps. Quel caractère comment? Faut dire parable. Ça là, c'est parable que tu es en train de faire. Justement, c'est ça qui est parable. C'est dans parable qui a l'argent là. Ah, tu as parlé de quoi là? Oui. C'est dans parable qui a l'argent là. C'est dans parable qui a l'argent. Ah, le mec, t'es pas au courant. Comment? Parable que tu vois là. Il y a un jeune Ivoirien qui est allé au Brésil. Ah, un jeune Ivoirien est parti au Brésil. Ça, c'est quel village ça là? Non, c'est pas village. C'est un pays des Blancs. Pays des Blancs? Il est allé au Brésil et il a fait parler là-bas. Il a gagné une médaille en or. Et puis c'est pas tout, hein. Le président de la République lui a donné 40 millions plus une villa. Le président lui a donné 40 millions. 40 millions. À cause de petit parable qui rappelle là. Ah bon. T'as vu la télé, il a évalué, il a bêté. Non, il n'est pas bêté. C'est venu Djoula. Djoula, il connaît quoi de ça là, parable? M'a dit, si je comprends bien, ça là c'est un commis. Ça là, c'est un roue là. Menti là. Je ne vais pas parler. 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 Je ne vais pas parler.
C'est lui qui est là comme ça. Faut avoir peur de ce poison. C'est lui qui est là. Petit maudit qui a passé ici. C'est lui qui est là. Petit Djoula là, c'est lui qui est là. C'est lui qui est là. Oui. Ah.